Alors bienvenue, re-bienvenue sur notre chaîne. J'ai mis un coup de gueule. Aujourd'hui, nous allons manger des nouilles marron. Non, on a des yam yam à la crevette ici pour Aaron avec ses poissons panés. Sepho et moi, nous avons les nouilles carbonara bouledak, le paquet rose là, et nous avons steak haché à l'oignon et des oignons verts dedans et du fromage. Et d'un poisson. En boisson, t'as quoi toi? Et bah, un cato à la mangue. Non, moi j'ai un ramouné. Non, c'est yamangue. Oui, bah regarde là, il écrit K A T O. Ça fait cato. Cato? Non, c'est gâteau. Gâteau. Moi j'ai un ramouné à olechi. Ok, et moi j'ai du chin. Shinga yuzu lemon soda, un soda au yuzu, citron yuzu, et c'est zéro calorie. C'est comme ceci. C'est comme ça. C'est zéro calorie. C'est trop top. Moi j'ai pris un que je connais, comme ça c'est sûr que j'aime bien. Bah moi je voulais tester parce que j'aime bien tester le nouveau truc. Tu voudras goûter ça? Regarde. Il y a un lion dessus. Oui, alors nous avons un paquet pour Sephora, un paquet pour Aaron. Merci. Et un paquet pour moi. Un paquet pour moi. Bah en fait, quelque chose. Ça sert à quoi les trucs là? Un paquet pour que les billes elles se coincent, la bille elle se coince dedans. Maman regarde, un paquet pour cul. Un paquet pour cul. Bah comme vous savez, avec les ramounets, ça va tout le temps faire. Tu essayes de faire salir mon tapis s'il te plaît? Promis. Promis, mais je sais pas avec le ramounet par contre. Comment je fais pour faire ça? Bah tu manges. Par non, bouffe-toi. Ah tu peux pas mettre dedans. Maman. Par contre, le ramounet, je te promets pas. Mais j'ai besoin de aide. Mais tu peux pas, c'est mouillé ça. Non, comment on fait pas. C'est mouillé, tu peux pas. Comment on fait? Ce que tu peux mettre. Regarde. Tu peux mettre ça dedans. Non. Ça se fait comment? Est-ce que tu veux mettre ça dedans? Comment ça s'est déclenché? Ça. Comment on fait? Tu vois, ça peut. Ça peut pas, regarde, tu vas voir. Ah, faut déclipser. Regarde, c'est mouillé. Maman, c'est une pro, Aaron. C'est mouillé. Regarde, ça fond. Pas attrape et tu souffles. Et c'est chaud en plus. Tu vois, je te l'ai dit, ça peut pas. Attends. Ça n'est pas monté, je suis trop forte. T'as vu, je te l'avais promis, maman. Bah, du coup, je peux pas prendre ces nouilles qui viennent de tomber là. Comme ça vient de tomber de mon côté, c'est piquant là maintenant. Ouais. Ramouner litchi, c'est toujours une valeur sûre. C'est délicieux. Alors, quoi de beau? Bah moi je vais bien, toi tu vas bien. Dans 16 jours, c'est l'anniversaire d'Aaron. Ouais. Et dans 16 jours, et dans beaucoup de jours, le pansement va disparaître. Le quoi? Bah dimanche on enlève le pansement. C'est dimanche là? Mmh. Aaron, après, t'auras plus de problèmes. Hein. Déjà que là, il y aura plus de retour à l'hôpital. Ouais. Bah, il y a intérêt. Hein. Comme bah, ça. Ouais. Ah, bah si. En novembre, je dois retourner encore avec lui à l'hôpital. Ah, moi, j'ai comme ça. Il doit vérifier que tout va bien. On peut faire comme ça. Ouais, mais elle, elle peut parce que c'est pas mouillé, elle. Regarde. Il n'y a pas la sauce. Tiens, t'as donné une feuille d'ail en plus. Attends. Ça fait longtemps qu'on a pas mangé les carbonara. Ouais, et par contre, hier, moi, j'ai goûté. Attends. Ah ouais, t'étais chez Zara. Ouais. Son frère, il était en train d'en manger. Et moi, j'ai dit, mais ça pique même pas. Il m'a dit, si, ça pique, vas-y, goûte maintenant. Moi, j'ai dit, volontiers, c'est mes nouilles préférées. Et moi, j'ai dit, je prends pas beaucoup quand même parce que c'est ton bol. Après, il a dit, mais si tu prends une grosse fourchette, tu vas voir. Non, j'ai pas fait ça exprès pour maman, l'avoir. Comment mais... tu fais? Ah, tu peux arrêter de faire l'avion avec tes bras, s'il te plaît. Tu vois? On peut faire l'avion comme on veut, hein. Mais d'habitude, tu veux bien manger ça sans avoir les nouilles. Là, tu veux absolument les manger avec les nouilles. Mais les nouilles, là, elles sont mouillées. Elles ont le bouillon, celles-ci. Il veut faire comme nous, maman. C'est normal. Il veut faire comme il fait souvent avec les chapaghettis.
Je vais mettre du steak haché dedans. Le steak haché, c'est avec la hache. Que tu vois. Alors moi, je l'aide et il vient encore me dire tu vois. Tout ça parce qu'il va avoir raison. Hein? Regarde-moi ça, cette beauté là. Que tu vois, ta grosse tête là. Ça peut. Ça peut pas. Allez, on rase un peu. Ça peut, ben fais-le alors. Fais-le tout seul. Fais-le toi-même maintenant. Ce bandit là. Quelqu'un, il aime trop avoir raison. Tu vois? C'est piquant. Non. Tu recèdes? Oui. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Hey, arrête de dire comme moi là. Quand tu bah, arrête de dire comme moi là. Arrête de dire comme moi là. Arrête de dire comme moi là. Toi, tu as chippé les gens. Hein. Ah. Et mais en classe, en classe, toutes les deux secondes, on entend des chips. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a tous le réflexe de chipper. Donc vous chipez la maîtresse à chaque fois? Ouais. Oh. Non, moi je chippe pas à la maîtresse. Hein. Mais vous pas exprès, genre. Après la maîtresse a dit, ah mais moi je suis pas ta pote. Hein, nan, nan, ah. Et ma maîtresse, elle m'a jamais grondée. T'es la maîtresse, et oui, elle m'a quand même grondée. Ma maîtresse a la même âge que toi. Maman, elle a dit elle est née en 1990, maintenant devinez l'âge. Elle m'a dit, ah mais c'est facile. Vous avez 34 ans, c'est l'âge de ma maman. C'est l'âge de mais je sais pas pourquoi tout le monde, quand ils entendent ton âge, quand ils entendent ton âge, et même l'âge de mon père, à chaque fois ils sont choqués, ils disent, oui mais tes parents ils sont jeunes. Pourquoi la plupart des parents ils ont quel âge leurs parents? Ils sont dans la quarantaine. Oui. C'est vrai que ton père il est jeune aussi. Attends. Arrête de pousser partout toi. Il a quoi? Il a 3 ans plus que moi. Ouais. J'ai peu. Il a 37 ton père. Maman, j'ai peu. Ta grosse tête, t'as peu, fais-le tout seul alors. Mais toi avoir raison. Arrête. Il abuse, hein. Arrête. Elle a fait comme ça. Avec ce bras-là. Non. Ah, Ronan, on danse. Ah, là, tes bras faits. Attends. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de faire une vidéo tous ensemble à la maison? C'est bien parce que ça fait un bail qu'on n'a pas fait. C'est très gros bail. Parce que ça, on voit plus. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire qu'on voit plus Zara dans la vidéo que Aaron. Bah oui, elle vient tous les jours. Qu'est-ce que du cul? Ouais, mais si elle a envie, si toi t'es d'accord et qu'elle est d'accord. Maman, si on faisait la taille. Eh, c'est long ça me fatigue. Maman. Tu sais, ne te lève pas, tu es en caleçon, mon gars. Tu sais, on fait la taille. On peut pas faire la taille. On peut faire ça. Ah. Ouais, en fait, lui, il veut tout le temps se lever. Mais il a oublié qu'à chaque fois, il veut tout le temps faire des vidéos en calcif. En calcif. T'es en caleçon, là. Non. Si. Il fait en culotte. Les culottes, c'est pour les filles. Bah oui. T'es en caleçon, toi. Bah oui. T'as pas une petite culotte? Une petite culotte mini. En plus, l'équivalent des culottes pour les garçons, c'est slip. T'es même pas en slip. Oui, en culotte. Va là-bas. C'est doudé. Tiens, mange ça. Mange ton poisson pané. Regarde. C'est vraiment une petite princesse, lui. Hein. T'es une princesse. Hein? Il attend là, il a les bras croisés, il attend que je lui fasse son truc. Et toi, t'as même pas beaucoup mangé encore. Oui. Ah, ça m'a brûlé. Ah, ça t'a brûlé, désolé. Là, regarde ce que je vais faire, attends. T'as Vegeta qui est en train de jouer avec le sac à dos d'Aaron. Vegeta. Ah, en parlant de sac à dos. Et hier, j'ai trouvé un sac à dos. Ah ouais Ah bah oui, celui que tu as ramené là, le Minecraft a sorti à la trousse d'Aaron. C'est top. Elle a trouvé un sac à dos Minecraft à sortir à la trousse d'Aaron. Et il y a aussi la trousse dedans. Mais je me demande si c'est pas une trousse qu'on a volée à Aaron. Hein. Ça fait un moment que j'ai plus vu sa trousse à Aaron. Ouais, et il y a les mêmes trucs que t'as mis dedans. Il y a les mêmes trucs que j'ai mis dedans. On a deux. Même le critérium. Le critérium bleu. Jusqu'au critérium, s'il te plaît. Mais je pense que c'était la trousse d'Aaron. Hein. Par contre, le sac, je l'ai trouvé. Alors, il faudrait que je demande à la maîtresse d'Aaron là-bas pour voir si c'est pas elle qui l'a sorti de son sac. J'avais déjà mis plein de trucs dedans exprès pour gomme et tout ça, taille crayon pour Aaron.
dans le deuxième compartiment, sauf que le deuxième compartiment... Est-ce que dessus t'avais écrit 19 sur des stylos? Sur des stylos? T'avais écrit 19? Ça veut dire que c'est pas lui. Parce que dedans, dans la trousse, il y avait déjà des stylos. Mm-hmm. Il y avait une étiquette où il y avait que 19 dessus. Ah ouais? Non, c'est pas lui alors. Maman, mon ventre, il est déjà plein. Tu veux pas boire un peu? Mmh, oui. Ah, tu étais en train de dire non là. Tu veux que j'ouvre ta bouteille? Est-ce que j'ouvre ta bouteille? Oui. D'accord. Maman, t'es plus. Force à toi, t'as même pas encore bien mangé. T'as vu? J'ai même pas encore mangé la moitié. Oui. Mmh. Oui. Mais bien continue. Je veux ça et ça encore. Comme toi. Tu veux les nouilles là? Oui. Ouais, tu manges ton poisson pané, hein? Tu vois, c'est que les conneries comme ça qu'il est mangé. Si c'est pas des nouilles avec des trucs comme ça, il mange pas. À part si je fais du poulet frit sans sauce. Là, il va manger. Il va dégommer tout le poulet frit. Il va pas manger le riz. Il va pas manger. Quoique des fois, des pâtes, il en mange. Le riz aussi, quand c'est tout sec, il en mange. Lui, il aime que les pâtes et les trucs sans sauce. Tous les enfants sont pas pareils. Hein. Pourtant, j'ai tout fait comme Sephora. Hein. J'ai exactement tout fait pareil. T'as vu moi comme je suis devenue, je suis une grosse mangeuse. Quelle grosse mangeuse, tu manges bien. Je veux ça. Pourquoi tu vas manger mes feuilles d'algues maintenant? Alors, dis-moi. Qu'est-ce qu'elle fait Moumoune? Eh bien, c'est le chien là-bas. Qu'est-ce qu'il veut? Bah, ça va être Moumoune alors. Maman. Moumoune. Maman. Le chien est chien. Mange un poisson pané en attendant. Poisson pané? Mange un poisson pané en attendant. Tiens, j'ai eu poisson pané. N'aime pas. Mange, comment ça t'aimes pas? D'habitude, t'aimes bien le poisson pané. Tu les dégommes tous. À chaque fois. En deux secondes. En plus. Non, j'aime pas quand je suis gros. Ton truc, il commence à me faire mal au bras, force. Hein. Soulever comme ça et puis faire comme ça. Attends. Tu manges. Il va boire. De toute façon, je peux manger aussi hors vidéo. Hein. Voyons voir si c'est pas empoisonné ton truc. Je regarde s'il y a du poison ou pas. Non, Ron, il y a deux pièges pour tout voir. Tu veux que je regarde s'il y a du poison? C'est bon, il n'y a pas de poison. Maman, elle avait exprès pour te boire ton truc. Hein. Bah, j'ai juste pris une petite gorgée, c'est bon. Dis ça, je dis rien. C'est ma paye pour tout ce que j'ai dû ouvrir pour lui là. Oh, c'est tout transparent, truc. Tin wesh. Ah, c'est bon. Tin wesh. Tin wesh. Avec vitamine C en plus dedans. Oh, regarde. C'est top. Ben franchement, ça, je vous le recommande. Hein. Si vous le trouvez en magasin, il y a le citron basique et celui-là, c'est le yuzu. C'est super bon. Et même celui-là, c'est le yuzu. Produit de Thaïlande. C'est yuzu. Quel yuzu. Moi, je connais yuzu. Tu connais yuzu? Oui. J'ai le kojis. Vous connaissez le kojis? On s'arrête là, après, on va continuer encore hors vidéo. Ouais, moi, je regarde des Jujutsu Kaisen. Ok. T'as Jujutsu Kaisen. La même chose. C'est pas pareil. Pareil. So! Guys. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Attends, maman. Vous connaissez le Kojis? Ok. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. À vous. Vous abonner. Et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là. Pour recevoir toutes les notifications. On vous aime tous très fort. Bye. Moi. Arrête.